So on, Rasta. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Far Cry Primal, chers amis. Donc un des derniers épisodes de la série, en tout cas sur la chaîne pour le moment, avant l'arrivée de simplement d'autres séries. En l'occurrence, Lego Marvel's, Star Wars, Le Réveil de la Force, excusez-moi, c'est par habitude. Et The Technomancer, qui sont deux séries qui sont offertes par le GamesPlanet.com, qui m'a gracieusement offert j'arrive plus à parler. Qui m'a gracieusement offert, donc Far Cry Primal aussi. Donc encore une fois, un grand merci à eux pour leur soutien et pour leur gentillesse vis-à-vis de la chaîne. Et un grand merci à vous pour votre soutien, bien sûr. Les 5K abonnés, c'était magique, bientôt les 6 déjà d'ailleurs en plus. Donc encore une fois, un grand merci à vous. Bon. Il est où ton copain? Boum! Ça commence avec un petit peu d'action. Un singe! J'ai raté. Putain, je suis mauvais. Hop! Oula, ils sont tombés sur un chat. Hop. Cassez-vous tous. Je préfère ça. Par contre, s'il commence à faire nuit, c'est la dèche. La dèche. Oh. Un tir dans la tête du singe. Ah, c'est dur. Sale bête. Cassez-vous! Il y a de la véritable sale bête là. Peau de loup blanc rare. Bon. Merde, j'espère que c'est pas ceux que je cherche. Allez! Je crois que j'ai déjà essayé de grimper sur ce truc et que j'ai pas réussi. C'est là que c'est le pire en fait. C'est que je l'ai déjà essayé. Pas par là. Je préfère encore tenter ma chance avec les loups. Les loups qui eux ne veulent pas du tout de moi. Compte tenu des bruits qu'ils font. Bon, fuck it. Alors, je regrimpe de l'autre côté, il y a encore des mammouths. Aïe! Oui, j'attaque un rhino. Strat! Vous voyez? La strat! Je suis resté au niveau de son cul. J'ai pas eu de problème. Il m'a mis un coup, je crois, dans le tas. Donc, vous voyez, c'est faisable. Hein. On va se créer quelques lampes torches. Allez, ah, je m'en doutais. Je m'en doutais. Les mammouths, ils sont trop proches. Ils sont trop proches. Bon. Comment je vais me dépatouiller de la vie là-bas? Non? Oui, il y avait une bestie. Il y avait un, je crois qu'il y a un chat qui est parti. Alors, le masque de Krati. Allons-y. Allons-y, allons-y. Hop. Oh. Sympa. Dans la grotte sacrée est volé le masque de Krati. Écoute. Why not? Je trouve plus le haut et le bas. Le haut et le bas. Le haut et le bas. Voilà, merci.
Ok, on y va. Alors normalement, l'eau, c'est pas aussi clair que ça. On va pas se voiler la face non plus. Imaginez en vrai alors. Je vois rien. Je ne vois rien, chers amis. Allez, grimpe. Je vais pas grimper là-dessus. Il veut pas grimper là-dessus. Aurais-je loupé quelque chose? Pas la bonne direction peut-être? Hop! Ok, c'est peut-être plus par là. Oula! D'accord, c'est ça qu'il faut que je vole. C'est joli, remarque, hein. C'est très 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 joli. C'est très 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 joli. Cadavre, d'accord. Ok. W, quitter. On va se faire quelques bombes. Ok. On la renvoie. Et cela, ça va être rigolo. Ah, ils l'ont eu. Par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a très très peu de flammes. Je pensais qu'il serait visible. Apparemment pas. Y'a pas eu tant de morts que ça. Je peux la rappeler. Hop. Hop les. Hop, ils sont en train d'essayer de la voir. D'accord. Ils sont en train d'essayer de la voir. J'ai eu le temps de le voir, mais il s'est mis à l'abri, malheureusement. Arrêtez de bouger, bande d'abrutis. C'est quoi, c'est un caillou qu'elle a devant elle? Oui, apparemment. Ou devant lui, hein. Bon. Non, pas sérieux. Non. Ok. Et ils m'ont vu. Comment ça reste à prouver? Oh, je suis mauvais. Oh non! Je peux pas être mauvais à ce point. Rate. Où est-ce qu'ils sont? Pose toujours, tu m'intéresses. Hop! Tire longue portée.
sûr qu'en voyant ma petite chouette, ça devrait pouvoir le faire. Attendez, faisons des essais. Hop. Il s'enfuit loin, lui, c'est con. Hop. Crac. Hop les cailloux. Non, c'est bon. Ok. Bon, on y va. Le feu quitte. On y va. On bourre. On bourre, on bourre. Là, c'est pas drôle. Ok. Là, y'a rien. Regarde ça, regardez ça. Allez. Merci d'être passé. Il est juste là. Où est-ce que je peux passer pour grimper? Là-bas. Je vais lui arriver juste devant le nez, cela dit. On va attendre. C'est une femme ou c'est un homme? C'est une femme. Bonjour madame! Vous allez bien madame? Que tout va bien, madame. J'ai peur qu'on tombe sur la chef, bizarrement. Je le sens bien. Alors voici donc l'espèce de mec qui tenait le truc. Oui, il est fini avec un pic dans le corps, celui-là. Ah bah, ils sont attaqués entre eux, effectivement. Je me souviens. Donc, d'accord. C'est sur un cadavre, il y a un masque. Ok. Ok, ok. Ah, je l'avais dit. Je l'avais dit qu'on allait qu'elle tomber sur nous. Qu'elle allait revenir nous voir. Je m'en doutais. Elle nous attendait, c'était trop facile. Elle sort un couteau. Ah, elle me saoule. Tiens. Bouffe. Ça t'apprendra. Échappez-vous du tombeau. Ah merde, c'est un tombeau. Ah oui, mais tu me dis ça maintenant que je suis dans le truc. Par là, j'imagine. Eh ben non. Bonjour. Tiens, bouffe. Moi je ressors par le haut, ma petite dame. Hop, dégage. Hop. Personne d'autre? Ok. Mais oui, t'as cru. Boum! Aïe! Oh merde! Ah, d'accord, il est là, lui. Je me disais aussi, je trouvais ça bizarre qu'il arrive à me mettre des coups. Aïe! Mais merde, ils sont où? Putain, il est là, lui. Oh, tu me saoules, toi. Donne-la-moi, ta saga.
Donne-la-moi ta sagaie. Où est-ce que vous venez? J'avais dit que si j'étais en manque d'empalement, ça va changer. J'avais dit que ça me manquait. Ça va changer. Vous vouliez la guerre? Mais je vais vous la donner, je vais retourner voir le corps de l'autre là. Attendez, vous avez cru vous? Vous avez cru que je me laisserais marcher dessus? Seriously? Alors où vous êtes? Elle est pas morte. Oh merde! Boum! Boum! Ah bah alors là pour l'instant, pour le coup, on a fait les deux la même chose. Alors, où est le dernier? Où est le dernier? Y'a un problème? Regardez-moi. Hop, voilà! Votre idole. Non mais oh. Parce qu'après tout, vous êtes les mecs qui font censés... qui êtes censés... Hop, voilà, et mets le feu. Oh, ton idole, qu'est-ce qui lui est arrivé? T'es con, hein. T'as pas feu? T'as pas chaud? Ah, il tente quand même des choses, hein. Oh, la gueule! Hein? Que les mecs avec des autant de flèches dans le corps, ils survivent pas. Bah alors? Salaud! Le salaud! Comment il m'a rushé dessus! Non, non, moi je rentre dans leur grotte, moi. Hop les. Tiens, vas-y, bouffe. Il nous faut des flèches. Hop. Y'a pas de soucis. Bonjour. Tiens, tu l'as senti? Voilà, je crois que j'avais chargé mon arc. Oh, tu sais quoi, tu mérites même pas. Ah bah. T'as de la chance. J'allais dire que tu méritais même pas mon arc. Il m'attendait, chers amis. Bien. Tiens, bouffe. Ils sont nombreux. Raté. Oh putain. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Bon, je les vois plus. Hop. Je les entends, mais je les vois plus. S'ils me suivent pas, c'est qu'ils veulent pas de moi. Hop. On passe à une arme un peu plus brutale. Tiens. Tiens. Au suivant. Speed dating. Il a parlé de speed dating, je suis sûr. Tiens, la petite dame. Boum. Tiens. Oh, j'ai pété le mien. Et meurs, bon Dieu. Ah. Qui c'est qui m'a vu? Putain, il est là. Boum. Bitch. Ok, la suite. Parce qu'on a redessagué, on a deux sagués. Parfait. Ça m'intéresse. D'autres personnes qui veulent négocier? Apparemment. Dégage. T'as pas vu ton copain ce qui...
J'ai raté. Ok, on en est sorti. Bah c'était pas si dur que ce que j'imaginais. C'était pas aussi dur que ce que j'imaginais. Mais bon, c'était au moins aussi sympa. Mais je savais qu'elle allait tomber sur nous. Enfin qu'on allait tomber sur elle plutôt. Toi. Crati, 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 d'accord, ok. Mais cependant, oui. Ah, je me tais. Kratis, Prashkwa. Krati. 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 Il pisse dessus. Ah, depuis le temps que ça l'intéressait. Krati Dwaya. Mati. Ah, il coule encore. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, je veux pas le porter sur mon visage. Non! 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 Non, s'il te plaît! Non! Non, pas ça! Oh non! C'est dégueulasse! C'est génial, sur le principe. D'accord. Avant de la faire hurler, je la ferai crier. Si vous voyez, si vous sentez la différence, si vous ressentez la nuance. Alors, Thérésie, là, en terre. La force d'un mammouth est requise pour enfoncer les portes. Seul Tensei peut vous préparer à affronter Batari. D'accord. Ok, why not. On va se téléporter directement dans notre... dans notre petite machine. Petite caverne, voilà, chercher. On récupère tout, hein, en grande quantité. Une grande quantité de tout. Hop, ok, parfait, on est bon. Tensei, c'est le mec qui est au fond. Ah, Da a une quête pour nous. Non, il me semble que lui, c'est Tensei. Je peux pas lui parler. Ah, génial, je le brûle, cela dit. Bon. Donc, au niveau de la carte, on a une quête ici, effectivement. Parler à Da. Da de Udam. Est-ce que ce serait ça, sa quête? Oh là là, si c'est ça, on n'est pas rendu, parce que le temps qu'on remonte, en fait, tout là, on va tellement en chier. Mais bon. La force d'un mammouth est requise pour enfoncer les portes. Seul Tensei peut vous préparer à affronter Batari. Et je vois pas vraiment ce qu'il y a à faire en fait. Est-ce qu'on est censé être prêt déjà ou pas? D'accord, on a des trucs sympas, cela dit. Tout en sprintant, ça peut être intéressant. Éclairation de la chouette. Distance de marquage. Exécution et fouille. Ressources rares. Sprint silencieux, ça peut être intéressant. Bon. Eh ben écoutez les amis, du coup on va se laisser là, je pense, pour cet épisode. On va simplement finir par aller voir Da, pas que je dise Uda. Et ensuite on se retrouvera dans le prochain épisode, qu'on aurait demain. Et nous verrons bien ce qu'il adviendra, ce que nous aurons à faire. Salut. Sœur du soleil depuis nombreuses lunes, elle brûle ou dame. Swasar Wana. Udan. Daguach. Tam Malshazar. Wanash. Manuda. La Sewa. Na Malshazar. Jarta Laikwa. U. Swasar. Il n'a pas les dialogues les plus intéressants à écouter. Hein. Urus. Salwaya. Il a vraiment pas les dialogues les plus intéressants à écouter. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'il faut le faire? Et qu'est-ce qu'il faut faire ici?
Tuer les trois redoutables sœurs Izzy là. D'accord. Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Bon. Eh bien écoutez les amis, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour nos aventures. Et un petit j'aime et un petit abonnement si vous avez apprécié cet épisode ou le reste de la série. J'espère en tout cas que nous aurons le temps de finir au moins l'arène Izzy là. D'ici là justement. Allez, à plus les gens. Salut.